Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah et que la prière et le salut soient sur le messager d'Allah, sur sa famille, ses compagnons et ses suiveurs avec bienfaisance jusqu'au jour de rétribution. Ceci dit, ceci est le récit d'une karama, un fait extraordinaire, une karama d'un sahabi, raconté par l'érudit savant Cheikh al-Muhaddith Muhammad Ali Adam al-Éthiopie, qu'Allah Ta'ala le préserve. Le Cheikh Hafidhahullah dit: voici l'homme auquel un lion avait parlé ou lui avait indiqué le chemin. Quand il était parti seul, le lion se présenta devant lui pour le manger. Il rapporte lui-même qu'il dit alors: ô lion, je fais partie des amis de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Le lion frappa la terre de sa queue, fit entendre un cri, marcha devant moi, de sorte que j'ai pu sortir de la forêt. Ensuite, il me mit sur le bon chemin, et finalement, il me fit un signe et retourna. Fin de la parole du Cheikh, Hafidhahullah. Et l'homme s'appelle Ahban ibn Aws, radiyallahu anhu, walhamdulillahi rabbil alamin.